Rien ne fonctionne pour moi. C'est bizarre. Je comprends pas. Oh, regarde en haut. Oui, tes pièces magiques volent directement vers nous. Cool. Je peux commencer? Cool. Alors, il est temps de mettre la pièce de monnaie. Qu'est-ce que je vais choisir? Tout est si appétissant. Alors, je vais prendre des poquets. Et voilà la boîte. Cool. Ouais, en plus, c'est un chocolat noir. J'adore. Comme c'est bon. Je peux pas me détacher de ces trucs. Quel délice! Quoi? Il reste le dernier? Non, pourquoi c'est épuisé si vite? Eh bon, je vais profiter de la dernière baguette. Et qu'est-ce que t'as, Jess? Nous allons le découvrir. La pièce à l'intérieur, et qu'est-ce que je vais choisir? C'est vrai, Babouba! Juste ce qu'il faut. Eh bien, salut! Et il est temps pour faire une énorme bulle. Oups! Oh non! C'est vide! N'importe quoi, en plus je suis toute seule. Et si je triche un peu? On va voir. Voilà. Je mets le fil, je fais le nœud qui ne permet pas de rouler. Super. Voilà. Les friandises, attendez-moi. Je laisse tomber. Et je tiens les doigts pour que ça marche. Oui, j'ai du chewing-gum. Et un bouton aussi. Je suis un génie. Et juste, tu ne peux pas faire ça. Ma vie, mes règles. Voilà. C'est un illimité ici. Avec ce bouton, je vais avoir autant de chewing-gum que je veux. Plus, plus. Encore. Oh oui, tout est à moi. Ne sois pas jalouse. Waouh! Oh oui. Et maintenant, je mâche tout ce chewing-gum. Comme c'est bon! Génial! Et maintenant, je vais gonfler la plus grosse bulle du monde! Tu ferais mieux de tout cacher, mal, et je vais remplir toute la pièce avec des bulles! Oh oh oh! Non! Il est trop grand! Désolée, Jess, mais j'ai pas le choix! Oups! Non, il a éclaté, je suis collée à la machine! Non, n'importe quoi! C'est marrant! T'es comme dans la toile! Oh, de nouvelles pièces, oui! Je préfère les dépenser! Et je peux recommencer! Merci! Alors, t'as faim? Tiens la pièce! J'espère que quelque chose de bien tombera! Oh non! Non, pas un Toxic Waste! C'est vraiment très, très acide! Je vais quand même essayer de lécher! Oh, comme c'est acide, ça! Bon! Aïe! Oh, je vais... Non, mais n'importe quoi! C'est vraiment acide, ça! Comme c'est drôle! Non, mais goûte-toi! Ça, ça me va! Désolée, Jess, mais il faut faire quelque chose! Oui, Snickers va m'aider! Non, mais vas-y, viens, viens! Oh oui! Ça va mieux maintenant! Et comment je vais avoir la douceur maintenant? Oh! J'ai une idée! Alors, faut moins attendre quelque chose! Je l'ai presque eu. Oh non! Non, je me fais aspirer! Oh oh! Et qu'est-ce qu'il faut faire? Oh wow! Je pense que c'est cool! Oui! Maintenant, je peux avoir tous les bonbons! Je vais commencer par Twix. Oh oui! Comme elle est bonne! Et maintenant, il est temps pour les Skittles! Alors, venez ici! Mmh.
maintenant il faut boire du Fanta. Oh, je l'adore. Elle est tellement bonne. Maintenant, il y a des marshmallows. C'est bon. Oh, comme c'est doux. Oh non. Pour moi, je vais juste le Toxic Waste. Et moi, j'ai tous les bonbons ensemble. Alors, où sont nos pièces? Oh! Sur le front? Pas très agréable, mais d'accord. La machine n'attend pas. Je veux être la première. Alors, et cette fois-ci? Oh, c'est des Oreos! J'adore ces friandises! Ils ont une part si délicieuse! Génial! Quel plaisir! Alors, le prochain? Oh, j'en bave! Très très bon! Jess, pourquoi t'es là? Vas-y, mets la pièce! Génial! Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh! C'est une sucette! Super bon! Il est temps de goûter tout ça! Donc, qu'est-ce que c'est à l'intérieur? C'est un cafard? Et comment je devrais manger ce cafard? Bon, je vais essayer. Pas si mal. Même délicieux. Je peux pas me détacher. Et Jess n'a pas peur de manger le cafard? Oups. Je crois que j'ai tout mangé. Non, et le cafard bouge dans ma bouche. Oh, quelle horreur. Oh non. Le cafard sur le front. Non, enlevez-moi ça. Oh non, non. Il est sur le sol. Non, mais comment ça? Bon, il faut se mettre ici. Il m'attrapera pas. Jess, t'es tellement drôle. Oh oh. Aidez-moi. Alors, qu'est-ce qui est drôle? Non, mais il faut que je sois ici. J'espère qu'il sera pas là. Oui, Jess. Alors, où sont les nouvelles pièces? Oui, ils sont là. Joui, j'ai encore la première. Tiens, donne-moi quelque chose. Oh, la Fanta! Cool, Maëlle. T'as de la chance. Mais elle est où la canette? Stop, reste là. Oui, je l'ai attrapée. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh, non, j'arrive pas à ouvrir. Allez, vas-y. Oh non. Ouh, c'est tellement rafraîchissant. Surtout avec le Fanta noir. Oh non. Maintenant, je suis toute mouillée et toute sale. Alors, j'espère que ça valait le coup. Il n'y a vraiment rien ici. Non, est vraiment parfait. Oups. D'accord. Maintenant, c'est mon tour. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Voyons voir. Quoi? Sérieusement? Du brocoli? Non, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, stupide machine. Tiens, et encore, et encore. Tu sauras comment me donner des trucs dégoûtants. Encore du brocoli? Mais non, arrête. Oh non. Non, ne s'arrête pas du tout. Et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois tous les manger? N'importe quoi, ça craint. Ouais. Bon, je n'ai rien à faire, c'est de ma faute. Je pense que c'est pour longtemps. Ah, oui, non, copine. Bon appétit. Bien sûr. Bon, il faut que je mange tout ça. Oui, il y a tellement de vitamines. Et c'est beaucoup plus sain que les friandises. Encore un peu? Oh, je pense que c'était trop. Ouais. J'aimerais qu'il y ait quelque chose de savoureux dans mon coffre-fort. Laissez-moi d'abord vérifier. Oh, je pense qu'un iPhone à l'intérieur. Oh, c'est tellement beau. Il faut capturer ce moment mémorable dès maintenant. Ted, t'es pas le bienvenu ici en fait. Oh, mais je voulais juste des selfies. Donne-moi le téléphone. Lâche-le, je vais le faire tomber. Oh non. Oh,
Ouais, déjà tombé. Oh non, il s'est écrasé. Dis-moi que je rêve. Tiens bon, Ted, je vais t'attraper maintenant. Vas-y doucement, Marie. Tu dois expirer et te détendre. Oh, merci, Monica. Tu m'as sauvé. Oh, l'heure des comptes arrivera de toute façon à un moment donné. Oublions tout cela, voyons ce qu'il y a dans mon coffre. Une grenouille? Oh non! Oh! Elle s'est enfuie quelque part. Oh non! Pas d'ici! Oh non! Je pense que c'est sur ma tête. Aidez-moi! Oh, je sens quelque chose dans ma bouche. Oh, c'était une grenouille! T'as eu finalement ce que tu méritais, Ted. Voyons ce que j'ai. Le coffre est vide. C'est bizarre. Non, regarde. C'est un cylindre. Qu'est-ce que je suis censée faire avec? C'est vide à l'intérieur. Et si on y mettait une grenouille? Oh, jetons un coup d'œil. Oh, pas possible, elle est devenue chocolatée. Mon plein a fonctionné. Rends-la-moi, c'est ma grenouille. C'est délicieux, j'aime beaucoup mieux comme ça. Quand c'est bon. Miam. J'ai envie de faire quelque chose comme ça aussi. Je vais mettre mon téléphone cassé dans le cylindre. J'espère que ça va marcher. Oh, ça sent le chocolat. Oh, mais c'est des gaufres aussi. Oh, quand c'est bon. C'est mon cylindre, je vais l'utiliser à partir de maintenant. Oh non, pourquoi elle a fait ça? Monica s'est transformée en une statue de chocolat. Peut-être qu'on doit la manger? Commençons par les doigts. Regarde, Marie. Ted, mais cela fait partie de notre Monica. Ne les mange pas, je t'en supplie. Oh, je ne vais pas le nier. Monica et moi, nous avons beaucoup de choses en commun. C'est mon amie. Oh, j'adore. Comment j'ai pu laisser cela se produire? T'as raison, je dois remettre le doigt. Nous avons besoin de Monica. Oh, oh Monica, tu nous as manqué. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, okay. Mais qu'est-ce qui est arrivé à mon doigt? Oh, je n'en ai aucune idée. Nous n'avons rien vu. Encore des coffres. Je serai de nouveau la première. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La baguette magique. Comme elle brille magnifiquement. Ça sent bon. Mais c'est immangeable. Marie, que fais-tu? Tu dois faire un miracle avec ta baguette magique. Ah, c'est comme ça que ça marche, d'accord. Pas besoin de me pousser avec une baguette. Est-ce que ça sent le brûlé? Oh, je pense que je suis en vœu. Qu'est-ce que c'est sur mon dos? Quel trou énorme! T'as fait ça, Marie! C'est toi qui as fait ça? Ou toi? Désolée, c'était un accident. Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. J'espère que le contenu du coffre me remontera le moral. De la crème glacée! Un pot entier! Oh, waouh! Où est ma cuillère? Je ne peux pas l'enfoncer, c'est gelé! Allez! Oh non, j'ai plié la cuillère! D'accord, j'ai une alternative. Bon, tout ce que je dois faire, c'est pousser un peu plus fort. Hein? Oh, et je l'ai fait. Enfin, je vais le goûter. Et c'est génial. J'adore ça. Pourquoi ne pas partager avec tes amis? Non, jamais de la vie. Oh, tes radins. Pourquoi tu fais ça? Oh, non, il commence à faire froid ici. Ah, mais j'ai une idée. Je vais te réchauffer. Oh, comme c'est bon. Merci, Marie. Mais la crème glacée est toujours à moi. C'est dommage qu'il n'y en a plus. Yeah! Maintenant, moi, je vais ouvrir le coffre-fort. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Non, c'est désagréable au toucher. Je n'arrive pas à l'enlever. Oh, ce n'est pas juste. Laisse-moi t'aider. Oh, c'est un steak cru. Pauvre Monica, t'as de gros problèmes. Bon appétit. Merci, mais je n'ai pas envie de manger. Oh, la viande est si dure.
Je n'arrive pas à faire une bouchée. Oh, c'est reparti. Je vais devoir t'aider. Marie, rejoins-moi. Accroche-toi bien, nous commençons. Ah, non. Horrible. Pendant que Marie n'est pas là, je vais utiliser sa baguette magique. Je l'utiliserai pour faire un beau steak croustillant, rien de temps. Allez, vas-y. Oh non, vas-y, baguette stupide. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas. Ma tête! Pourquoi elle tourne comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Oh, on dirait que la baguette s'est calmée. Oh, j'ai réussi le steak! Comme c'est bon! J'adore ça! Qui va commencer cette fois? Oh, moi! Oui, c'est moi! Mais il semble y avoir quelque chose de délicieux à l'intérieur. Boisson de Mars, ça a l'air divin. Mais pourquoi c'est si serré? Allez, ouvre-toi. Ted, laisse-toi donner un coup de main. Oh, mais comment t'as fait ça? Oh, pas grave, l'important c'est que je peux le voir. Je peux sentir les regards sur moi. Ok. J'ai compris, tu veux l'essayer? Mais je ne vais pas partager. Ah ouais? Tu vas voir. Je vais t'aider. Qu'est-ce que t'as fait, Marie? Je suis tout mouillé. Stupide cocktail. Vas-y, Marie. Oh, arrête. Comme tu veux, mon pote. J'ai le sentiment que je ne vais pas aimer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi cette odeur? C'est le fromage. Horrible. Oh non, comment je vais le manger? Horrible. Mange ton propre fromage. Stop. Oh, j'ai une idée. Arrête. Vas-y. Oh non, ça a du mal à rentrer dans la bouche. Mais t'as réussi. N'oublie pas de manger le reste. C'est cruel, Ted. Tu n'as pas besoin de m'aider, je vais le faire. Oh, mais bravo. Vas-y, t'es un vrai héros. Vas-y, mange encore. Mais j'ai une idée. T'as fini. Comment tu fais? Tu manges tellement. Et encore. Et je mange encore. Et j'adore ça. Ouais. Maintenant, toi, Monica, il y a quelque chose de magique là-dedans. Oh, un seul bonbon. Si peu. Ouais. Ah ah, comme c'est drôle. Miam. Ah ah, allez, t'es pleine. Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un bonbon. Je pense que c'est tombé directement du ciel. Ok. C'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Encore des bonbons? Encore? Quatre en même temps. Deux font quatre, c'est ce que veut dire... ouais, des comptes, les équations... Les bonbons se doublent! Je dois manger de plus en plus! Maintenant, il devrait y avoir 8 bonbons! Ah, 16! Oh, c'est beaucoup! C'est beaucoup de bonbons! Oh oh! Oh ouais! Excellente idée! On va t'aider! Allez! Recommençons! Eh bien que non! Décidons honnêtement! Je commence! Haha! Je pense qu'il y a quelque chose de délicieux. Et oui, c'est le Nutella. Génial, je n'avais pas tort. Enlevons le couvercle. Oh, tu me l'as jeté en plein figure. Désolée, le Nutella m'a fait tourner la tête. Comme c'est bon. J'adore ça. J'aimerais l'essayer aussi. Pas question, Ted. Retourne. Oh, j'adore. Mais non, j'ai rien du tout. Ah, j'adore la pâte de chocolat. Oh non, maman s'est coincée. Tout à cause de ta cupidité, Monica. Très bien, je vais t'aider. Allez, tire plus fort. Oh oui, j'ai réussi. Et oui. Vas-y, vas-y. Oh non, c'est vide. Vas-y, lève-toi, Monica. Ah, maman est libre. Il y a encore de la pâte. Génial. Maintenant, toi, Ted. Ça ne me dérange pas. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Oh non, quelque chose de dégoûtant.
Oh. Oh, les poissons, ça pue. Mais je dois le manger. Oh. Non, tu n'as pas de chance, Ted. Non, j'en veux pas aussi. Je n'ai pas envie non plus, c'est dégoûtant. J'en peux plus. Oh. Mais pourquoi tu l'as mis sur mon nez? Prends ça. Vas-y. Oh. Oh, pourquoi t'as fait ça? Oh, je vais m'allonger un moment. Ce poisson n'est rien d'autre que des amis. Oh, c'est beaucoup mieux. Voyons ce que nous avons là. Je ne vois rien. On dirait que le coffre est en train d'aspirer le pot. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, non. Ah, elle est où? Elle est partie. Vas-y, je vais te sauver. Oh, je ne comprends pas. Où est tout le monde? Il ne reste que le coffre de Marie. Oh, je suis en train de me faire respirer. Voilà la nourriture. La classe. Laissez-moi ouvrir l'assiette en premier. Waouh, le chocolat. C'est 10 sur 10. Pas beaucoup de chance, Zach. J'adore le chocolat aux noix. Ça a l'air très savoureux. Ouais, c'est tout simplement divin. Les noix sont si agréables à croquer dans la bouche classe. Zach, donne-nous-en un peu, s'il te plaît. Je n'ai rien du tout, désolé. Marie, ouvre ton assiette. D'accord. Pas ça. Fromage plein avec de la moisissure. Il n'y a rien à respirer. Fais quelque chose. Mais qu'est-ce que je peux faire? Juste fais et mange le plus vite possible. Vas-y, Marie. Zach, mais je ne veux pas. Ce fromage a l'air dégoûtant. Je vais vomir. Si c'est le cas, c'est sur ta conscience. Oh, terrible. Non, tu peux pas. Tu dois tout manger. Marie, désolée, tu m'as forcé. Que fais-tu, Zach? Il n'y a pas de retour. J'ai dû le faire. Mon Dieu, je suis malade. Je suis toute verte. Oh, c'est vraiment horrible. Maintenant, on va s'étouffer. Oui, t'as raison, Monica. Je ne peux pas respirer. J'ai trouvé quelque chose. Il suffit de mettre une pince à linge sur le nez. Voilà. On dirait que la pointeur est un peu altérée. Je vais essayer de revenir. Il est temps de voir quel genre de nourriture j'ai. Waouh, des chips! Eh oui, en forme de bonne nouvelle. Il semble y avoir un paquet complet là-bas. Vas-y, Monica, bonne chance. Waouh, Monica a des chips. Salutations. Ils ont l'air parfaits. Je savais que la nourriture ronde ne me laisserait pas tomber. Une seconde. Mais ce n'est pas tout à fait un cercle, mais plutôt un ovale. Ce n'est rien, je sais ce qu'il faut faire pour arranger les choses. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble un vrai cercle. Je comprends pas ce qu'elle fait. Maintenant, vous allez te voir par vous-même. Waouh! Comment est-ce possible? Vas-y, Zach, c'est magnifique, non? Ne rêve même pas de l'essayer. Toutes les chips sont à moi. Maintenant, elles ressemblent exactement à un vrai cercle. Donc, elles appartiennent à moi et seulement à moi. Quel croustillant! Super! Oui, c'est le paradis. Monica, t'as raison. C'est délicieux. Cette fois commence Monica. Cactus? Je ne crois pas à mes yeux. C'est très épineux. Et comment je le mange? Pauvre fille, tu n'as pas beaucoup de chance cette fois. Mais rien à faire. Bon appétit. Oh non, je ne sais même pas le toucher. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je suis dans une confusion totale. Une seconde. Je pense que j'ai une idée géniale. Vous devez couper toutes les aiguilles avec les petits ciseaux. C'est une bonne idée, Monica. Chez toi, c'est merveilleux. Eh bien, maintenant le cactus n'a pas l'air intimidant. Je ne pense pas que ce soit délicieux, mais sans aiguilles, c'est en tout cas mieux qu'il ne l'était. Cancer mère. Oh, je n'aime pas cette nourriture du tout. Horrible. C'est une véritable horreur. J'ai maintenant envie de vomir. Désolée. C'est vraiment horrible. Monica, dépêche-toi. C'est dégoûtant de le voir. C'est tout. J'ai fini. Maintenant toi, Zach. J'espère que ce n'est pas un cactus.
Waouh, un sandwich! C'est une agréable surprise! J'ai dit que la nourriture carrée est la plus délicieuse. Maintenant, vous pouvez le voir par vous-même. Maintenant, je vais vous montrer comment manger vraiment beau. Je vais mettre une serviette pour ne pas se salir. Eh bien, il est temps de manger. Oh, il semble que j'ai oublié quelque chose d'autre. J'ai besoin de couverts. Une fourchette et une cuillère conviendront parfaitement. Et maintenant, la chose la plus importante, la sauce. Un sandwich sans ketchup n'aime pas du tout ça. J'ajouterai plus pour obtenir très juteux. Je vais baver. Zach, dépêche-toi, s'il te plaît. Comme tu veux, Monica. Tu vois, j'ai déjà commencé. Il s'avère que couper un morceau de sandwich n'est pas si facile. Avec toi, tout en ordre? Tu utilises une cuillère pour cela? Et t'as besoin d'un couteau? Je vais devoir l'aider, Marie. Je pense que ce sera plus rapide. Ne résiste pas, Zach. Ouvre ta bouche. Qu'est-ce que vous avez fait? Je voulais profiter de chaque bouchée. Bien que cela se soit avéré beaucoup plus rapide, merci. Okay. Maintenant, toi, Marie. Un cornet de glace? Dites-moi que je ne rêve pas. Quel délicieux. Je suis juste ravie. Désolée, Marie, mais la glace ressemble à un vrai cercle. C'est pour ça que je dois le manger. Comment c'est délicieux, la classe? Oh non! Que fais-tu, Monica? Arrête-toi! C'est ma nourriture. Et maintenant, ça va devenir triangulaire. Je vais prendre le sèche-cheveux et faire fondre la glace. Oh waouh! Il faut prendre la forme d'un cornet! Oui, Zach, c'est vrai. C'est mon plan. C'est prêt. Maintenant, tout est à moi. Comment ça va, Marie délicieux? Oh, c'est juste vivant. La meilleure nourriture du monde. Oh, Radine, tu pourrais me donner de la glace? Tu peux au moins nous offrir un verre, hein, Zach? Trop tard, j'ai déjà tout mangé. Mais croyez-moi sur parole, c'était délicieux. Nouvelle nourriture, la classe. Je m'en combien, burger. Rien de mieux et il était impossible de penser. Je peux enfin manger. Quelle juteuse. Et oui. J'adore. Il y a beaucoup de garniture dans les burgers. J'ai envie de l'avaler entier. Comme c'est bon. Oh, Monica, tu manges si mal. Waouh, un cafard. Tout est à cause des ordures. Eh bien, c'est tout de même à portée de main. Viens ici, bébé. C'est ça, assieds-toi. Quoi? Le cafard? Au secours, je déteste les cafards. Quelqu'un, sortez-le d'ici. Monica, la prochaine fois, tu peux m'empêcher de me jeter de la nourriture. Désolée, Marie, je ne contrôle pas quand je vois des cafards. Bon, je pense qu'on devrait passer à autre chose. Comme ma nourriture. Regardez comme il y a beaucoup de chewing-gum. Et quelle est la forme? Carré parfait. Il est temps de le goûter. Je n'aurai plus besoin de l'enveloppe. Exactement, entrer dans la bouche. D'accord, je suis juste beau. Zach, arrête. Ça a l'air pathétique. Avouez-le, vous êtes juste jalouse de moi. Regardez ce que je vais vous montrer. Vous voyez? Deux chewing-gums. Et maintenant, je vais les attraper avec ma bouche. Comme ça. Wow, c'est incroyable. Bravo. Je n'ai même pas de mots. Et ce n'est pas tout. On va continuer. Tout le reste du chewing-gum aussi, je peux facilement attraper avec ma bouche. C'est prêt. Cool, hein? Yeah, vous n'avez pas regardé? J'ai même fait tout spécialement pour vous. Peut-être qu'une énorme bulle vous surprendra. Maintenant, je vais le gonfler. Si seulement vous n'éclatez pas vous-même. Oh, je peux pas. Ça ne marche pas. Il faut reprendre le souffle et essayer à nouveau. Une seconde, je vais juste mieux mâcher. Oh non, je l'ai craché. Bon, c'est arrivé par accident. Vas-y, Marie. Enfin, j'ai trop attendu. La chose superbe. Quel triangle beau et délicieux. Je pense que je peux le manger une fois. C'est le cas. C'est savoureux. Dommage que ma portion soit si vite terminée. Marie, quand t'as mangé, ton visage est devenu un triangle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est vrai, c'est ma figure. Maman! Oh, la pizza! C'est le cercle le plus appétissant de tous les possibles. Et qu'est-ce que vous avez, les gars? J'ai un paquet de nouilles sèches. Honnêtement, je voulais quelque chose de plus savoureux. Et j'ai un morceau de gâteau avec des baies fraîches. Je suis très ravie. Pour commencer, je vais essayer les fraises. Regardez, ça a la forme d'un triangle. Wow! Oui, j'ai
génial. Monica ne pense même pas à essayer, c'est à moi. Elle est si jeteuse, mûre, classe. Tu veux? Évidemment. Je t'ai dit qu'elle était à moi. Marie, arrête de nous taquiner. Zach n'y pense même pas. Serre-toi. Bianca, non, désolée. La baie est finie. Très drôle, Marie. On ne joue pas à ce genre de jeu. Et maintenant, il est temps d'essayer le gâteau. Comme elle est doux. Comme il y a beaucoup de crème dedans. Tout comme j'aime. C'est encore mieux que les fraises. Je ne peux pas arrêter. Tu pourrais partager un gâteau avec nous. Désolée, mais le gâteau est fini aussi. Vous êtes en retard. Mangez votre nourriture. Qui est le prochain? Oh, je crois que c'est moi. J'ai complètement oublié. Eh bien, je suis prête. Surtout la pizza, elle se refroidit. Stop, c'est à moi. Tu vois, le morceau est triangulaire, donc je dois le manger. Encore toi, Marie. C'est malhonnête. Je dois trouver quelque chose. Oui, il y a une idée. Les morceaux de saucisse sont ronds, donc ils sont à moi. Oh, c'est délicieux. Super. J'adore le salami. Heureusement qu'il y en a tellement ici. Un morceau? Il n'y a plus de salami. Maintenant, cette pizza est à toi, Marie. Tu peux la prendre. Mais il ne reste plus qu'un seul morceau de saucisse. Je n'aime pas cette pizza du tout. Je ne vais pas la manger. Je pense que vous faites allusion à quelque chose. Oui, je suppose que je devrais essayer mes nouilles. J'ai complètement oublié. On dirait qu'il y en a beaucoup. Le paquet est plein. Besoin d'ouvrir et de vérifier. Je vais tout arranger. C'est quoi? Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Zach, t'as déchiré le paquet. On est couvert de nouilles. Désolé, c'est arrivé par hasard. Je ne voulais pas. Laissez ça un jour. On dirait qu'il y a eu une explosion dans une usine de pâtes. C'est vrai. Ça n'a pas l'air cool. Peut-être que j'aimerais le goût. Oui, ça, c'est bon. Je suis satisfait. Et pourquoi moi? D'accord, essayons. J'espère avoir de la chance. T'atterris sur un terrain très intéressant. Et c'est des œufs de poule. Qui ne les aime pas? Fais attention à la tête. Oh, ça fait mal. Arrête. Hey, you! Qu'est-ce que je sens ces fiers avec ce tas d'œufs cassés? Tu ne peux même pas faire des œufs ici. Qu'est-ce que tu dois faire, c'est t'asseoir avec eux comme un poulet et masser d'un tour. Je vais essayer le verre. Waouh, Emma, t'as plus de chance que ton ami. Ok. Au lieu de ce moche, t'obtiens les délicieuses cuisses KFC. Mais il y a un piège, ils sont vraiment épicés. Mais tu le découvriras plus tard. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde au plus près. C'est KFC. Ah oui, c'est vrai. Alors, je suis très heureuse. J'adore le KFC. Wow, quel appétit. Je ferais plus attention si j'étais toi. Mais pourquoi? C'est très bon. Mais c'est épicé. Pourquoi vous n'avez pas prévenu? C'est horrible, je suis en feu. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de le faire. De plus, Zach, le présentateur, doit partir pour le moment. Zach, le pompier, prend sa place. Emma, couvre les oreilles pour que l'eau ne pénètre pas. Je vais te mettre. Oh, plus vite, dépêche-toi. C'est ça. Zach a encore sauvé la journée. Mais c'est toi qui m'as donné tout ça. Je sais rien du tout. Ciao. Monica, t'es de nouveau la première. Où dois-je appuyer? Je pense que je vais m'arrêter sur ce bouton jaune. C'est au-dessus de moi, c'est tout comme le soleil. Donc il me faudra forcément chance. Bon choix, bizarrement, la couleur du bouton correspond à la couleur que t'as reçue. Fais-moi confiance, tu vas adorer. C'est de l'or. C'est un peu inhabituel cependant. Quelle différence! Je suis heureuse avec n'importe quelle heure. Super. Alors prends de l'eau liquide. Liquide, je savais même pas que telle chose existait.
bien. Le liquide, ça me convient aussi. Ce n'est pas tout. En plus, tu recevras des pièces d'or. Ils sont tout aussi bons que de l'or véritable. Super, je suis riche maintenant. Très riche. Yay! Nous devons nous dépêcher à le partager avec tout le monde. Tout le monde doit savoir que Monica est riche. Wow, au lieu d'obtenir de l'or, elle dit déjà à tout le monde. Oh, je pense que la richesse m'a fait tourner la tête. Emma, maintenant je viens à toi. Vous avez déjà joué au pierre-papier-ciseaux avec vous, mais je pense que c'est une façon vraiment cool de résoudre toutes les questions difficiles. Ah, je pense que je veux de l'or aussi, alors je vais appuyer sur le bouton jaune. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Au lieu de l'or, tu obtiens cette adorable araignée. I'm waiting. Ah oui, mon cadeau. T'inquiète, tu seras amie avec lui à coup sûr. Regarde. Mais c'est un araignée. Non, je t'en prie, ne mange pas. Non. S'il te plaît, je t'en supplie. Ah, wow. On dirait qu'il y a un vrai massacre là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me suis évanouie? Qu'est-ce qui fait ces bruits forts? Waouh! Je pense qu'il m'a vraiment besoin d'aide en ce moment. Mais j'ai peur des insectes, je ne les supporte pas. Merci. Personne ne va sauver la pauvre Emma. Qu'est-ce qu'il y a à sauver pour toi? Monsieur Araignée est sorti tout seul. Alors tu te débrouilleras très bien toute seule. Monica est de nouveau la première. Dépêche-toi de choisir un bouton. Il y a un bouton spécial pour mon anniversaire. Alors je peux y appuyer. Je me demande quel genre de cadeau ils vont me laisser. Qu'est-ce qu'anniversaire sans confetti? Bien sûr, ce n'est pas pareil. Alors couvre tes oreilles, ça va exploser. Je deviens sourde. Et ce n'est pas tout. Le plat principal est juste devant toi. J'ai un énorme gâteau pour toi. Alors dépêche-toi de l'attraper pour qu'il ne tombe pas. Wow, c'est tellement beau. C'est le gâteau le plus cool que j'ai jamais vu. Merci. Alors fais un vœu, souffle les bougies. Je veux le faire en haut. Je souhaite que le gâteau que je m'apprête à manger soit le plus délicieux de ma vie. J'espère que ce sera le cas. Cool. Tu pourras peut-être partager un peu un gâteau avec moi aussi. Parce que je n'y ai même pas goûté. Attends, je veux d'abord le manger. Radine, tu vas tout manger. Mais non. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi cela met-il si longtemps à m'atteindre? Oh waouh, c'est l'anniversaire de Monica. Félicitations, danseur. Pourquoi ne viens-tu pas chez moi? Oui, il est grand temps. Monica ne me traitera pas de toute façon. J'ai juste faim. Puisque le bouton anniversaire te donne un si gros et délicieux gâteau, je vais appuyer aussi. Je ne comprends pas. Okay. T'as des prix différents. Je n'ai pas eu le temps de faire le deuxième gâteau. Moi, j'ai apporté tous les ingrédients avec moi. Alors, si tu veux vraiment, tu peux faire ton propre gâteau. Qu'est-ce qui se passe? Arrête! Je suis toute blanche, je ne peux rien voir. Je comprends cela, mais il faut être patient. Parce qu'il y a tellement de choses à venir. Comme du lait. Prends ça. Assez. Pourquoi j'ai besoin de lait? Je ne peux même pas le boire. Je suis toute mouillée. Et infamine.
Ne jure pas, c'est l'heure de l'ingrédient le plus délicieux, le sirop de chocolat. T'es prête? Alors c'est parti! Qu'est-ce que vous faites? Je ne me place au gâteau. Le sirop est délicieux. Mais je suis couverte. Je suis toute coulante, je ne peux rien voir. Ouais, ça va porter ses fruits, parce que maintenant ce délicieux éclat coloré t'attend. C'est déjà aussi délicieuse qu'un gâteau. Ah oui, j'ai juste eu le temps de lécher le sirop. D'accord, au moins les vermicelles sont savoureuses. C'est bien. Et enfin la crème. Quel gâteau ne peut pas s'en passer? Allez, je ne suis pas surprise par quoi que ce soit. La crème est bonne aussi, alors verse autant que tu veux. Et la touche finale, la bougie. Quoi? T'es un vrai gâteau maintenant, après tout. Qu'est-ce qu'un gâteau sans bougie? Quoi? Ouais, joyeux anniversaire! J'en ai marre de ça. Quoi d'autre? Cacahuètes? Du chocolat? Des bonbons? Non, le gâteau est prêt. Maintenant, il faut s'amuser. Très amusant. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ah oui, Emma, tu ressembles vraiment à un gâteau géant. Oui, j'ai essayé. Tada! Est-ce que je dois presser? Je pense que ma couleur préférée est le rouge. Excellent choix. Ce bouton particulier te donnerait d'un œil. Une ordinaire. Mais avec le pion fort. Si on t'y dit. Oh, attention. Je ne pensais pas que le pion géant fût comme ça. Maintenant, je suis tout avec ses filles. Ça, ce n'est pas grave. C'est quand même très bon. Pour bien la manger, j'ai besoin des baguettes. Sans les baguettes, c'est pas des nouilles. Oh, c'est bon et cool. Je m'assois. Je mange des nouilles. Qui, au passage, sont très épicées. Je suis en feu. À l'aide. Oh, je crois que nous avons un incendie. Nous allons tous brûler. Oh, pas du tout. Je pense que je peux éteindre ces flammes très rapidement. J'ai un extincteur. Je suis déjà sortie moi-même. Je ne fais qu'à déverser ces pneus sur moi. Combien est en l'eau? Oh non! Ah, l'important est de le faire sortir. Trop de mousse. Qu'est-ce que je dois choisir? Je pense que la karaté va m'aider pour ça. Kia! Excellent choix. Wendy, allô? J'adore le pétillant. J'espère que toi aussi. Oh, quelque chose de lumineux. Et c'est délicieux. Quel plaisir de manger. Et ça grésille. J'adore. Je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. Il y en a tellement. C'est trop de bon. Il faut une douche. Plus il y en a, mieux c'est. C'est délicieux. C'est aussi très brillant. Ce n'est pas seulement vraiment très brillant, mais c'est vraiment, vraiment grisillant. Ah. Oh, c'est magnifique. Des vrais feux d'artifice. Comme à la fête. Différence de choisir. Je ne sais même pas ce qu'il y a derrière ces boutons. Excellent choix. Cette fois, ce sont des rouleaux de papier toilette qui t'attendent. Moi, je pensais que ce serait juste de la nourriture. Non, ce n'est pas le cas. Il y a tout un tas de papier toilette qui t'attend. Ah, une énorme pile. Arrête. Combien je dois
dois manger pour aller aux toilettes, c'est ça? Oui, toilettes. Je pense que une tasse irait parfaitement avec le papier toilette. Si tu mets de la pâte de chocolat sur le papier toilette, Suzy sera certainement choquée. C'est une farce très drôle. Bon, il n'y a plus de papier. Hein. Et alors, Suzy? Voilà ta friandise. Quoi? What? La friandise? Oh. Ah, c'est du caca! Pourquoi je voudrais ça? On dira que Wendy attend aussi un cadeau en chocolat. What? Oh, qu'est-ce que c'est? Devine! Je crois que j'ai compris. Ça sent vraiment bon. De plus, le chocolat a aussi un bon goût. J'avais oublié. Il doit appuyer sur le bouton. T'as de la chance. C'est le bouton qui te donne accès à l'argent. Félicitations, c'est une très bonne victoire. Je suis d'accord. Je suis chanceuse. Maintenant, je suis riche. T'as appuyé sur le bouton. Et quelle chance pour toi, c'est le bouton qui te donne de l'eau. Ah. Ouais, y a des poissons ici. Je ne m'attendais pas à ça. Oh non, mon argent s'est tout mouillé. Oh non. Ah, il y avait de l'argent et puis voilà, pas d'argent. Ah, t'en voudrais quoi? Oh, je ne vois pas. Je sèche l'argent. Et t'es plus intelligente que je le pensais. Qu'est-ce que je dois appuyer cette fois-ci? Je pense que je vais appuyer sur le bouton vert. Ah, t'as de la chance cette fois-ci. Parce que sous ce bouton, il y a de délicieuses guimauves qui t'attendent. Très savoureuses et très pâteuses. Même trop. Vas-y, attrape. Qu'est-ce que ça va être? C'est quoi ça? Une vraie chute de neige. Et à partir de mes guimauves préférées. C'est tellement beau. C'est comme les verres tout autour. Alors t'aimes? Bien sûr que j'aime ça. Non seulement c'est très joli, mais c'est aussi très savoureux. Les guimauves sont géniales. Okay, here we go. Je les adore. Ils sont délicieux. Juste magnifiques. Génial, hein? Les guimauves sont délicieuses, bien sûr. Mais si j'obtiens les sécheux, ce sera aussi très amusant. C'est délicieux. Et c'est aussi très chaud ici. C'est bizarre, ce n'est pas du tout l'été. Ça devrait être le contraire. Et il devrait être froid, non? Hé, hey, tu fais quoi là? Quoi? C'est un cadeau supplémentaire pour toi. Un peu de chaleur. Pourquoi faire? Je marche pas le sang en train de fondre. Stop! Please, stop! Quoi? Arrêtez! Non, je ne m'arrêterai pas. S'il te plaît, arrête! Hey, il se transforme déjà en quelque chose d'horrible! S'il te plaît, s'il te plaît! Ne crie pas, je me suis déjà arrêtée. T'aimes pas? Alors, ces guimauves ne ressemblent pas seulement à de la neige, mais elles vont aussi très coulantes! Je suis couverte de cette substance blanche. Regarde ce que t'as fait! Je pense que c'est drôle. Oh! Qu'est-ce que t'as fait? Manger. Miam miam. Quel bouton choisir? Je pense qu'il est temps pour le bleu. Oh, bon choix. Tu vas vivre quelque chose de très spécial. Avant de te nourrir, j'ai besoin de me sécuriser. Il y a tout un tas de délicieux fromages qui t'attendent. Et le bleu est incroyable. Suzy, t'es prête pour ta prochaine friandise? Si c'est le cas, voilà. Bon appétit, j'espère que tu vas aimer ça. Qu'est-ce que c'est? Et voilà, on peut. Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le fromage puant. Oh, oh, je vais vomir. C'est quoi cette odeur? Je ne peux plus respirer dans cette boîte. Alors, vous aimez ces cadeaux? Est-ce que ça sent bon? J'ai essayé. J'ai passé toute la journée à choisir le plus horrible des fromages. Il semble que mes efforts n'ont pas été vains. Alors, vous aimez l'odeur? Je vois que vous l'avez bien senti. Je peux aussi vous fournir des masques tissus. De l'air! De l'air frais! Enfin! J'espère avoir de la chance. Je vais essayer quelque chose de vraiment savoureux. C'est ton choix et le bouton jaune. Alors, tu vas te régaler un jaune. Laisse-moi juste faire sortir les abeilles d'ici. Et dès que je l'aurai fait, il y aura tout un baril de gros miel frais et sucré. C'est vraiment frais. C'est tellement délicieux et c'est tellement persistant. Je pense que c'est assez. Il est grand temps que tu aies un peu de ce magnifique miel. Qu'est-ce que ça va être? Mamma mia! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est si cool? J'ai l'impression que cette bouillie s'est répandue dans tout mon corps. Mais c'est très bon. Vas-y, goûte. C'est vrai, c'est bon? Allez. Oui, c'est pas mal du tout. Oui, je suis très contente qu'il y en ait beaucoup. Je peux manger et manger. On peut nager dedans. Là où il y a du miel, il y a des abeilles. Et je suis forte. C'est pourquoi je vais m'occuper de ces créatures volantes rapidement. Allez, je pense que t'as appuyé sur les boutons. Je pense que t'as besoin de plus de cadeaux. Les idées plus seraient parfaites en ce moment. Tiens ça. Vas-y, tiens. C'est quoi? Pourquoi il y a toutes ces plumes? Je deviens lentement comme Yeti. Je n'aime pas du tout ça. Et ce n'est pas encore fini. En plus de tout ça, il y a du lait blanc qui t'attend. Je sens que t'as besoin avec du miel. Arrête de te moquer de moi. Ce n'est pas drôle. Je ne me suis pas encore moqué de toi. T'as appuyé sur beaucoup de boutons. Alors voilà ce qui t'attend. Voilà le pop-corn. J'adore le pop-corn. Il est tellement bon. Oh, c'est beaucoup plus intéressant que dans les films. Alors, le pop-corn sera parfait. Oh, c'est ce que j'appelle de la chance. J'ai vraiment le pop-corn. Je pourrais en manger tout le temps. Parce que c'est la chose la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. Quoi appuyer? Je veux pas les abeilles. Peut-être le verre. Tu n'aurais pas dû appuyer dessus. Tu sais même pas ce qui t'attend. Et voilà des petites choses très mignonnes qui t'attendent. Généralement, les cafards. J'en ai pas mal. Ils ont leur propre maison. Voilà. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'en ai besoin de la terre? What? On connaît personne qui mange de la terre. Alors pourquoi je devrais le faire? Tellement de terre. Non, please. Oh, ta femme. C'est ma plus grande peur. Tout sauf eux. S'il vous plaît. Ils sont en train de nous lancer partout. Aidez-moi. Au secours. J'en en peux plus. Voilà. C'est assez. Quoi? C'est contraire aux règles. What? T'as ruiné une boîte parfaite. Comment t'as réussi à faire comme ça? Je n'arrive même pas à prendre une telle position. Bon, d'accord, je vais le réparer. Bonjour à tous. Laisse-moi t'expliquer les règles du jeu.
Oui, ces enfants se cachent dans les boîtes, je les vérifie avec mes outils. Je suis sûre que personne ne me retrouvera jamais. Je me cache parfaitement et je n'ai pas à m'inquiéter. Même si je me fais prendre, je n'abandonnerai pas. Maman, j'ai tellement peur! Je dois écouter ce qui se passe dehors. J'aimerais mieux de faire un coup et de regarder. Super, maintenant je me sens un peu plus en sécurité. J'ai tout sous contrôle. Cherche la cible. Je cherche la cible. Je vois un mouvement des yeux. En route pour le but. Oh ça! Je me suis trahie! J'aurais dû rester assise. Je ne vois aucun mouvement des yeux. Cible perdue. Je vais essayer de coucher cette case ici. Oui? Et je commence à vérifier. Tiens, prends ça. S'il y a quelqu'un là-dedans, il a des problèmes. Maintenant, je vais sauter sur cette boîte pour faire une bonne mesure. Oui, je ne voudrais pas être dans cette boîte. Je vais être silencieuse. Oh, je ne vais pas bouger, je ne vais pas respirer, j'ai tellement peur. La boîte est détruite. C'est vide. J'ai eu la mauvaise cible. Je vais devoir continuer à chercher. Eh bien, c'est encore plus intéressant. Il est temps de choisir un outil pour le deuxième test. Je vais prendre le pistolet à eau. Oh, pas ça. Je pense que je suis proche de l'échec. Oh, non, j'ai tellement peur. Mon Dieu, c'est le bruit d'une arme à feu. J'ai eu la chance la dernière fois. Mais non, c'est une arme, ça. Arrêtez de jouer au jeu de l'enfant. Je suis sérieuse cette fois-ci. Je cherche une cible, vérifie le mouvement. Ah, cette boîte tremble. Le feu, le feu, le feu. Pas ça, pas ça, pas ça. Oh non. Pas perdu, les mains en l'air. Oui, je suis bien. Il est temps de choisir une arme plus sérieuse. La dynamite? Non. Je vais chercher autre chose, un ballon. Oh, non. Continue à chercher. Les lunettes, laser, génial. C'est parfait. Il est temps que les jets essaient. Je suis sûre qu'elles m'iront bien. Oui. Et je vais à la chasse. Oh, allume-toi. Pourquoi le laser si fort? Oh, je crois que... Oui, j'ai brûlé un peu les boîtes. Eh bien, c'est bon pour moi. Je crois que je sens quelque chose de louche ici. Il faut sentir qu'est-ce qui se passe. Quel cauchemar! Et là, des lunettes laser! C'est vide. Il faut continuer à chercher. Pas encore, il vient vers moi. Il faut trouver quelque chose. Oui, j'ai une idée. Je vais appeler les secours. Ils vont me faire sortir. Les gars... Ne soyez pas silencieux, je veux vraiment vous voir. Je pense qu'il y a quelqu'un dans cette boîte. Oh non, je ne peux pas recevoir le signal. Lucie, salut. Comment ça va? Aidez-moi, j'ai vraiment peur. Tu peux m'entendre? Je suis dans une boîte. Je ne pense pas que tu devrais crier comme ça. Mais pourquoi pas? Désolée Lucie, mais je dois devoir me débarrasser de toi pour ne pas être expulsée du jeu. Oh non, non, quelqu'un m'appelle. J'attends un appel téléphonique. Je suis en route. Je pense que le son venait d'ici. Salut, c'est bon de te voir. Oups. Salut, Lucie. Je te cherche depuis si longtemps. Nouveau tour. Nouvelle arme. Cette fois, j'ai choisi le marteau gonflable. Oh, ça fait mal. J'ai aussi mordu le doigt. La boîte bouge. Je crois que j'ai une nouvelle cible. Je me suis dévoilée. Elle se rapproche de moi. Je suis déjà là. Elle est temps de tester mes intuitions. Ouais. Oui, j'ai fait un coup dans la boîte. C'était ma seule chance de m'échapper. Je t'ai eu. Prends ça. Je t'ai eu. La boîte est vide. Mais j'ai vu comment elle bouge. Je comprends pas. Est-ce que j'ai manqué? Je continue à rechercher. Je me suis réussi à m'échapper. On dirait que la chance est de mon côté. Il faut que je trouve une nouvelle boîte avant qu'elle me remarque. C'est bon, je l'ai ouvert, super. J'aimais me mettre à l'aise. Oh, comme c'est cool. Oh, je crois que quelqu'un respire. Oh, bonjour, désolée, je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Bombe.
ou gâteau. Gâteau ou bombe. Je pense que le choix est évident. Cette fois, je vais jouer gros. Détecteur de mouvement activé. Oh, pousse-toi! Nous devons travailler ensemble. Nous serons tous les deux retrouvés. Le mouvement est fixe. Je vois la cible. Maintenant, je sais où planter la bombe. Je vise. Trajectoire tracée. Feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! C'est une bombe à retardement! Oh non! C'est à cause de toi! Je suppose que je n'avais pas tort. Moins deux en même temps. C'est de la chance. Oh non! On a perdu! Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais je pense que nous ferions mieux de nous cacher à nouveau. J'ai peur que cela ne serve à rien. Vous êtes toujours dans le jeu. Où sommes-nous? Je pense que nous avons réussi à nous échapper. Dépêchons-nous de nous cacher au cas où elle nous rattraperait finalement. Je vais me tenir ici. J'espère qu'on ne peut pas me voir. Que quelqu'un me donne un coup de main. Je ne peux pas monter là-haut. Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas encore eu le temps de me cacher. Stupide piscine! Tu peux me voir en dessous, que faire? J'ai perdu! Waouh! Des pinceaux et de la peinture? Je pourrais en avoir besoin. Les gars, dépêchez-vous, venez ici, j'ai une idée. Nous pouvons l'utiliser pour nous camoufler. Excellente idée! Père, tu t'en sors très bien. Nous en prendrons pour être sortis au meuble et personne ne nous trouvera jamais. Oui, nous allons simplement distraire dans l'espace. Salut les gars. Ouais, je suis déjà là. Je peux vous voir bientôt. Bizarre, on dirait que la pièce est vide. Mais je n'abandonne pas. Il est temps de choisir une nouvelle arme. Cette fois, je vais utiliser un ballon à eau. Voyons s'ils peuvent éviter de les rencontrer. Les gars, j'ai une surprise pour vous. Vous voulez le voir? Personne répond, il faut activer le détecteur de mouvement. On dirait que c'est passé. Elle m'a pas vu. Voyons voir. C'est clair pour l'instant. Aucun mouvement détecté. Eh bien, je passe à autre chose. Oh, je peux enfin respirer. Je pouvais à peine le supporter. Le mouvement est réparé. Je t'ai eu. Ce ballon d'eau est pour toi. Oh non, ne fais pas ça, s'il te plaît. J'ai trempé jusqu'à la peau. Donne-moi une seconde. Super. Il reste deux joueurs. Je suis bien. Salut, réveillez-vous. Nous avons de grandes choses devant nous. Nous allons bientôt aller à la chasse. Où est le roi élu qui va nous rencontrer? Je ne vois pas encore. Mais on va le retrouver. On dira qu'elle est passée. La chance m'a souri. L'intuition me dit que notre cible est quelque part à proximité. Mais ça semble bien ici. Il n'y a rien en voyant de l'autre côté. Oui, elle m'a pas vu. Je crois que je peux sentir quelque chose venant de la piscine. Oh, c'est le pied qui pue. Je vais suffoquer. Je pense que ma prochaine cible. Voilà. Il faut l'éliminer. Avant l'attaque au gaz. Allons-y, les amis. Oh non, ce sont des cafards. J'ai peur d'eux. Oh non, sortez-les d'ici. Je vous en supplie, quelqu'un les a plantés exprès dans la piscine. Oh, salut, Teddy. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Désolée. Que tu n'aies pas aimé, mes amis. Il ne reste plus que Betty. Je vais laisser ce magnifique gâteau juste pour elle, en guise de dessert. Il n'y a rien. On continue à chercher. Mouvement détecté. Un mur étrange. Ça sent très bizarre. Mais peut-être que c'est pas vrai. Elle est partie, Dieu merci. Je dois être patiente encore un peu. J'ai une idée. Il faut faire une fausse bêtise. Elle va l'acheter, ça. Je vais la laisser ici, derrière le mur. J'espère que ça va marcher. Oh, qu'est-ce que je vois? C'est Betty. Quelle bêtise. Elle se trouve à la vue de tous. C'est fini, le jeu est terminé. C'est prise. Bon appétit. J'espère que t'as aimé. Oh, c'est bizarre. Pourquoi elle ne réagit pas? C'était pas moi, c'était une poupée. Ah ah. Oh, non, c'est non. Dysfonctionnement du système. Je gagne. Yeah, j'ai battu tout le monde. On dirait que ce portail s'est ouvert pour moi. Au revoir, perdante.
Ah.